I'm Michael Paulin. I'm an architect. And as a teenager, I was passionate about three things. I loved biology, I was passionate about the environment, and I also really loved designing and making things. And at that stage, I didn't see how those were connected. I thought about studying biology at university, but I didn't really see that there was a creative side to it at that point. And I'm Julian Vincent. I started off as a biologist. I'm still a biologist, really. Been in university all my life. When I was a kid, about, 6 years old, I lived on the outskirts of Cambridge. And so I could go out for country walks. And I might go out for the whole day, just walking through the countryside, along the side of the river and stuff like that, and looking at nature. And I got totally consumed by the ideas. But then I'd go home and make model aircraft, like so many boys do. And so the whole idea of biology on one side and making things which were sort of vaguely mechanical, they went together. My father always wanted me to be an engineer. Jean-Baptiste Drevet, donc je suis ingénieur, donc je travaille sur les transferts d'énergie entre membranes ondulantes et fluides. Mon père est déjà un peu inventeur, donc j'ai poursuivi dans cette voie. J'ai fait mes études d'ingénieur donc à Arts et Métiers, qui est une école d'ingénieur généraliste, donc même si je me suis spécialisé en énergétique. Disons qu'après les études, je voulais quand même travailler sur mes propres idées, donc c'était quand même un aspect moteur dans la démarche. J'ai trouvé le point qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire utiliser des solutions dans la nature, pour pouvoir traduire ça dans des inventions. Claude Grison, directrice du laboratoire de chimie bio-inspirée et innovation écologique, qui est rattaché au CNRS et à l'Université de Montpellier. J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup d'étudiants, parce que j'ai été longtemps professeur à l'université. Et puis, il y a quelques années, une dizaine d'années, eh bien, des étudiants sont venus me voir pour me demander de l'aide afin de réfléchir à une grosse question. Peut-on dépolluer avec des plantes? Vu la motivation de ces étudiantes, j'ai choisi de les accompagner dans ce projet et de me plonger dans un domaine que je ne connaissais pas très bien à l'époque, qui est celui de l'écologie scientifique. J'ai donc quitté mon laboratoire de chimie pour aller passer 5 années au contact de ces chercheurs dans un laboratoire d'écologie pure, fondamentale, pour progresser dans le domaine. What we often do on an architectural project is we start by trying to identify the key functional challenges, like structure, keeping warm, keeping cool, protecting against fire. And so this is a model, a very enlarged model of a bird skull. And it's a good example of what Julian refers to as in biology, materials are expensive and shape is cheap. So in simple terms, that means you often have very complex structures that achieve their material efficiency by putting the material exactly where it needs to be. What we have here in the bird skull is very thin layers of bone, which are connected together with these struts and ties that actually form between individual cells. And so that's an incredibly strong structure and also extremely light. And so with Julian, we were working on how close could we get to this in the floors for this office building. And one of the things I really enjoy about biomimetics is that you can, with your design team, you can start by identifying the absolute ideal. Unless you identify the ideal at the beginning, you're very unlikely to achieve any significant breakthrough. And so that, for me, is the power of using biology as part of the design process. There's an interesting thing with this, actually, in that by having a structure which has got so much opening in it, you can start putting other services into it. Yes. With a cellular structure like that, all sorts of other possibilities start to appear. Exactly. And it becomes multifunctional. And that's when it starts to become a really well-integrated solution. Quand on voit le mouvement de cet raie qui est si harmonieux et si efficace, ça nous donne l'objectif auquel on va aboutir pour le développement de notre machine. Après, c'est très inspirant. Bon, la question de se poser, c'est jusqu'à quel point il faut s'en inspirer ou
Parce qu'on pourra, on pourra faire les choses par étapes. Donc quels sont les résultats intermédiaires que l'on peut atteindre et progresser les, au fur et à mesure. Les poissons ont quand même beaucoup d'avance. Tout est embarqué sur le poisson. Nous, on a besoin de dissocier les, notamment la partie motrice et la partie propulsion. On n'a pas de muscle artificiel encore, peut-être bientôt. Il faut quand même être modeste quand on observe la nature. Quand on est chimiste et qu'on rentre dans un laboratoire d'écologie, en fait, on se heurte à deux réactions complètement opposées. Il y a d'une part donc ceux qui sont sensibles à une écologie assez traditionnelle, qui voient le chimiste arriver comme un élément perturbateur. Mais il y en a une autre. Donc il y a des écologues qui étaient beaucoup plus curieux et même intéressés. C'est-à-dire ils voyaient l'arrivée d'une chimiste comme quelqu'un qui allait regarder sous un autre angle, à une autre échelle, eh bien, leur sujet d'observation ou leurs questions quotidiennes. On se complète merveilleusement bien. On ne regarde pas les choses de la même façon. L'écologue se demande toujours pourquoi une plante va dépolluer. Et le chimiste se demande, je veux dire, de façon un petit peu obsessionnelle, mais comment fait-elle? Quand j'ai vu ces plantes dépolluer, leur capacité à extraire les polluants du sol et à les stocker, moi j'ai vu ça comme quelque chose de formidable. Plutôt que d'aller confiner la pollution, d'excaver des terres, de les traiter par des gros procédés industriels qui ne font que transférer des problèmes. Je voyais là, en fait, la nature qui avait trouvé des solutions absolument extraordinaires, durables, pour dépolluer ces sites. Et j'ai choisi vraiment d'approfondir les interactions entre chimie et écologie. Alors, on s'est rendu compte que donc, cette plante, cette menthe aquatique, en fait, avait vraiment une capacité extraordinaire à extraire les polluants de l'eau. À savoir qu'elle a un arsenal de molécules qui est naturellement présent à la surface des racines, qui capte en fait les éléments métalliques dès qu'ils passent. Tout ça est de la chimie, et c'est vraiment au niveau moléculaire qu'on arrive à le comprendre. Ça veut dire que si on déshydrate les racines et qu'on les broie à l'état de poudre, elle va garder ses performances. On peut prélever une eau contaminée, la faire passer à travers cette poudre, et donc la poudre va se comporter comme une éponge à métaux, très efficace. Et en sortie de colonne, l'eau est dépolluée et peut être rejetée dans l'environnement. C'était le point de départ d'une grosse solution qui aujourd'hui est avancée au niveau pré-industriel, où un pilote fonctionne sur cette base. Les meilleures solutions, elles sont sous nos yeux. Et ce qui est aussi intéressant, c'est la densité de l'eau, en fait. On n'a pas besoin de créer des machines énormes pour pouvoir capter beaucoup d'énergie. Il s'agit de déjà de faire des prototypes qui permettent de démontrer que la voie est bonne. Donc j'ai commencé par faire des micro-prototypes dans ma cuisine. Et une fois que l'efficacité a été prouvée, donc je me suis rapproché de Denis Frémaire pour pouvoir mettre en place un programme de développement donc à des échelles supérieures, donc des machines déjà de l'ordre de 1 mètre donc à l'échelle 1 20e, puis de l'ordre de 4 mètres donc à l'échelle 1 6e. Donc développer des outils numériques, donc on est dans un domaine où il faut développer des outils numériques. L'hydrolien, c'est quelque chose d'assez difficile, mais on est quand même à quelques années d'avoir une machine donc, commerciale. Et puis après, l'ondulation, ça peut aller partout. Hein. C'est un sujet qui est inépuisable. Donc en fait, on redécouvre, c'est bizarre de considérer qu'on redécouvre, mais c'est quand même ça, on redécouvre la force des solutions donc, qui existent dans la nature, des solutions qui ont été optimisées je veux dire, pendant des millions d'années. On n'est pas dans l'utopie, on est dans quelque chose de très concret, on est tous animés par la volonté de résoudre un problème et jusqu'au bout. On est là pour réunir nos compétences, nos regards différents et complémentaires, pour prendre en main un problème et apporter des solutions pour le résoudre. Mais on veut montrer que l'économie verte a un sens, qu'elle est possible, et que des solutions écologiques peuvent faire naître aussi des activités économiques. C'est pas contradictoire, mais c'est difficile. On rencontre à peu près les mêmes types de problèmes
de se trouver en face de sujets assez compliqués, avec rien sur l'étagère pour pouvoir le développer. Donc, obligé de construire à la fois des outils pour étudier, des nouvelles méthodologies aussi, et de pouvoir s'appuyer sur des structures existantes et pour pouvoir avancer. Mais disons qu'il faut quand même de la patience et de l'acharnement pour pouvoir arriver à ces résultats. Ce n'est pas en quelques semaines qu'on arrive à développer ces sujets. So if you wanted to turn over from being a totally technologically driven world into one which is much more friendly to the environment, what you'd need to do is say, if I have a problem, I'm not allowed to use energy to solve it. I'm not allowed to use raw materials. What I have to use is information, which can come from anywhere, and is very cheap, mostly, and structure, which means that I'm not limited by the materials available. I just have to put them together in a very clever manner. Sure, and I mean, I think a good example of a material that is incredibly common in buildings and is extremely energy intensive is glass. So if you look at a glass sponge, it assembles readily available materials from seawater. And if we could learn to do the same, then we could achieve a factor 100, maybe even a factor 1000 saving in the amount of energy required to make glass. You can't do that in an objective manner. It has to be done with everybody's agreement.